Salut à tous, c'est Baptiste et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai acheté un nouveau Malkai. Donc voilà, la jardinerie Tarnaise. J'ai trouvé qu'il était en bon état. Donc, ben, parce que là-bas, on sait jamais. On connaît pas l'âge ni rien, mais là. Donc voilà, il va bien. Il a trouvé deux femelles. Donc c'est avec les deux qui s'est accouplé. J'espère avoir des petits avec. Au moins qu'ils couvent. Et après, sinon, j'achèterai une couveuse et voilà. J'ai acheté ce mâle parce que tous mes cailles m'ont lâché. Voilà, mes cailles sont mortes de coups de froid. Alors il y en avait deux qui ont été contre le froid. Une autre, je ne sais pas, parce que j'étais revenue de voyage et je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, on m'a pas dit. Et une autre, c'était en fait, on dirait. Je croyais que c'était un mâle parce qu'on m'a vendu un mâle et en fait, elle a pondu 3 œufs. Et le dernier, l'œuf était resté. Elle est restée dans le corps, elle a pas pu le sortir donc. Il est mort. Et voilà. Donc là tout se passe bien. Donc, ils se disputent un peu mais après tout va bien. Ils se piquent pas. Bon là c'était normal, c'est la femelle qui se piquait avec une autre mais je les ai séparées. Bon elles viennent, elles sont pas méchantes ni tout sauvages. Donc voilà. Donc si je leur donne la salade elles viennent vers moi. Bon. Ça c'est des détails. Donc là c'est. Alors. Déjà, je vais vous montrer la cage. Donc voilà, ça part sur une cage de à peu près 1 mètre sur. Bien 1,20 m sur 1 mètre. De hauteur, je dirais 40 cm. Donc voilà, donc là, il y a des cachettes. Donc elle nous a déjà fait le nid. Là-bas aussi. Donc j'ai fait un coin paille et un coin sable. Je préfère parce que moi, ça fait deux et les cailles adorent le sable. Mais ils y restent beaucoup là-bas. Alors là, il y a de l'eau dans cette barrique, dans cette petite abreuvoir. Dans la coupelle, là-bas, il y a de l'eau. Et dans le. Je vais vous montrer. Et là-bas, il y a du grain, normalement, là-bas. Donc voilà. Donc ça mange pareil que mandarin. Donc voilà. Donc là, quand j'ai pris le bois qu'il fallait, donc des bois jolis pour que la cage soit belle. À part ce côté-là, parce que j'ai pas. Donc en fait, c'est une fermeture comme ça qui part. Voilà. Alors, il faut que je mette un cadenas, mais bon, en attendant, c'est pas faire. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Objectif 15 likes pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà, des cailles. Normalement, alors celle-là est pond. L'autre m'a déjà pondu et le mâle, j'ai pas vu encore. Ça va faire 2 jours que je l'ai. Aujourd'hui, ça va faire 2 jours. Hier, j'ai pas pu faire la vidéo parce que ben, j'étais pas là. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que je peux rajouter pour que les cailles pondent. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que j'aimerais bien avoir des conseils. Si vous en avez, donnez-les-moi, ce serait bien. Voilà. Ouais, c'est un aperçu. Et dites-moi quelle est votre caille préférée aussi dans les commentaires. Perso, moi c'est le mâle parce que c'est nouveau, il a la tête blanche un peu. Donc voilà. Là vous voyez pas bien, mais je vais vous montrer. Et après la cage, je confirme je l'ai fait toute seule la cage. Donc voilà. Ah si, mon père m'a aidé pour 2-3 planches à découper, mais après c'est moi qui ai fait l'assemblage. Voilà. Donc voilà, vous voyez bien qu'il a une tache blanche sur la tête, donc ça j'adore. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis à plus.